Cette fois-ci, notre conseillère rencontre une cliente qui utilise l'injection de 3 mois. Bien, je suis contente de vous recevoir ici aujourd'hui. Alors, madame, vous utilisez l'injection de 3 mois comme méthode de planification familiale. C'est exact. Et depuis quand utilisez-vous l'injection? Depuis un an environ. D'accord. Et je lis ici que vous avez eu votre dernière injection le 18 juin. Nous sommes en octobre maintenant, donc ça fait 4 mois, n'est-ce pas? Tout à fait. Je devais recevoir une autre injection en septembre. Mais comme je vous l'ai dit, je ne désire plus utiliser cette méthode. Ce n'est pas grave. Nous voulons vraiment vous aider à trouver une méthode qui vous conviendra. Maintenant, avez-vous eu vos règles récemment? Non, je ne les ai pas eues depuis plusieurs mois. Cela arrive avec l'injection. Ce n'est pas grave. Cela signifie qu'il vous faudra attendre un peu avant de pouvoir commencer à utiliser la méthode des jours fixes. Vous devez attendre jusqu'à ce que vos règles arrivent à nouveau. Et puis, quand vous aurez eu vos règles 2 fois 1 mois d'écart, vous pourrez commencer à utiliser cette méthode. Ah, je vois. Donc, je ne peux pas utiliser cette méthode parce que je n'ai pas encore eu mes règles. C'est bien cela. La méthode des jours fixes ne vous convient pas pour le moment. Nous devons attendre que vous ayez eu vos règles 2 fois 1 mois d'écart, car nous devons nous assurer que vos règles arrivent à la normale avant de pouvoir commencer à utiliser cette méthode. Maintenant, puisque cette méthode ne vous convient pas pour le moment, nous devons décider ensemble ce que vous alliez faire en attendant pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que vous voulez que nous parlions d'autres méthodes que vous pourriez utiliser en attendant? Oui. D'accord. Pour qu'elle puisse utiliser la méthode des jours fixes, une femme doit avoir arrêté d'utiliser l'injection. 3 mois doivent être passés depuis qu'elle a eu la dernière injection et son cycle le plus récent doit être entre 26 et 32 jours. Elle ne peut pas commencer la méthode des jours fixes si ses conditions ne sont pas remplies. La raison est que l'injection de 3 mois peut empêcher tout saignement ou peut produire un saignement irrégulier au cours des règles. Pour commencer à utiliser le collier du cycle, elle doit avoir des règles régulières.